And here's a story about being free. Pour être sûr qu'elle tombe pas. Bon, je dis pas qu'elle est jamais tombée, hein, mais il y a des... Alors, passe ton bras à l'intérieur. Parce qu'en fait, le truc, les gars, c'est que ici, bon là, normalement, les chevalets, le bois, tout est... Donc on est au petit théâtre à Prancé. Et en fait, on profite de la résidence du groupe Angevin, les Z Lascar, pour... faire un échange avec des jeunes du Haut Anjou Segrère. Et là, le principe de cette journée aujourd'hui, c'était aussi un petit peu de venir en présentation du camp hip-hop qui va être organisé par le réseau des animateurs Haut Anjou Segrère. Alors aujourd'hui, c'était une petite sensibilisation à la musique d'influence urbaine. Celui-ci pour ce micro-là, et celui-ci permet de basculer plutôt vers celui-là. Juste la rouge, ici. Alors la différence, la rouge elle est ici. Là. Ce sont les jeunes de 10 à 14 ans, donc les pré-ados du pays là, qui ont pu bénéficier de la journée d'échange. C'est l'association Aladesh, une association d'Angers, qui développe beaucoup d'ateliers en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui décides d'y aller ou pas. On fait de la fusion, hip-hop, chanson, électro. C'était vraiment, on avait une demi-heure par groupe, donc c'était vraiment une découverte. Voir le matériel pour enregistrer une voix. Et on a juste écrit quelques rimes, vraiment quelques lignes, qui puissent au moins écrire un bout et surtout l'enregistrer sur une musique. Et entendre après leur voix et voir comment ils se calent rythmiquement. Enfin, je ferai dans la place, et si vraiment t'assises, je t'en mettrai à ta place. En fait, t'étais là avec ta feuille, et en fait, ta bouche elle se dirigeait par ici, vers le bas. Ce qui fait qu'en fait, toi tu chantais là, et le micro il prend ici. Donc il a pris vite fait des trucs de. Alors vas-y, on va la faire. Et puis chaque structure enfant-jeunesse se rajoute. C'est-à-dire qu'en fait. C'est un réseau qui est composé de structures socioculturelles, de points d'information jeunesse, de centres sociaux. Et toutes ces structures-là ont quand même un rapport direct et indirect avec l'enfant jeunesse. Et au lieu d'être tout seul dans son coin, sur son territoire, une communauté de communes, à plusieurs, et on marche fort et on crée des activités comme aujourd'hui, comme le séjour hip-hop. À une échelle locale, ce style de projet ne pourrait pas se faire parce qu'on n'arriverait pas à avoir assez de jeunes ou de moyens suffisants pour de moyens financiers, etc., suffisants pour le faire. Alors que dès l'instant où on se mutualise au niveau d'une échelle territoriale, comme ça, qu'un territoire comme ça, ça nous permet justement de pouvoir développer ce type de projet et justement d'offrir la possibilité aux jeunes d'accéder à ce type de culture. Une découverte des instruments pour les enfants, donc il y avait des trompettes, tuba, cors, saxophone, clarinette, flûte traversière, c'est expliquer comment ça fonctionne et puis qu'ils puissent les toucher, souffler dedans, nous poser plein de questions. Et puis, il y a un couplet, par exemple, il y a quelqu'un qui chante, on va pas mettre derrière toute la batterie, plus tous les samples, plus les cuivres, plus la basse, plus la guitare. Il faut essayer de trouver des paliers, trouver des moments où chacun est mis en avant. Allez, je vais aller chier, et la patte, vas-y, il me faut réaliser, t'as le mec de la vie, t'as pas de laisse.